Vous savez que je suis un homme politique. Donc, je vous encourage à vous mettre résolument derrière la personne qui fait que nous soyons en paix. La personne qui m'amène à vous dire que tous les Camerounais sont chez eux. Parce que c'est ça le vrai langage de fraternité. Je suis comme vous. Je lis Internet, pas beaucoup, je lis WhatsApp et je lis des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Le tribalisme ne doit pas vivre ici au Cameroun. Si nous ne réagissons pas, ça a commencé comme ça ailleurs. Et ça a détruit le pays. N'acceptez pas que notre pays soit détruit. Nous devons continuer comme on a toujours vécu, ensemble, sans distinction. Et je vous parle avec fierté parce que j'ai un bijou que j'aime dans ma vie, qui est mon trésor, qui est ma fille. Elle n'a pas épousé un bêtis. Et je suis content de mon beau-fils qui n'est pas bêtis et qui m'apporte beaucoup de joie. Mon chauffeur qui me conduit n'est pas bêtis. Il a ma vie entre ses mains, il est babylonien. Je suis heureux parce que c'est ça le Cameroun que nos parents nous ont légué. Ici où je me trouve, habitait un monsieur qui s'appelait Atebe Yeme. Donc vous entendez parler, mais qui était un baroba dans ce pays. Et nous venions ici chez lui, je mangeais ici chez lui, avec beaucoup d'autres Camerounais qui ne sont pas seulement bêtis. Quand nous aurons tous ensemble compris ça, on va faire un grand pas pour notre pays, pour nos enfants. Ceux qui sont là, vous avez des enfants qui sont nés ici à Yaoundé, qui vivent ici à Yaoundé. Leurs amis sont ici. Quand vous allez au village, ils ne veulent même pas partir. Parce que leur village, c'est Yaoundé. Et je leur dis que, oh oui, vous êtes chez vous à Yaoundé. N'est-ce pas? Je voudrais demander maintenant la permission au chef d'aller m'asseoir. Parce que là où vous êtes est la tradition. Là où vous êtes est le fondement de notre village. Là où vous êtes est la force de ce village. Je suis heureux que vous vous soyez retiré avec lui. Parce que c'est vous qui devez lui donner le vrai pouvoir. Et je vous remercie.